Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le square avec la fleur africaine. Donc, dans un autre de mes tutos, je vous ai montré comment faire la fleur. Et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le square, donc le carré, tout autour pour en faire des couvertures, des écharpes, des sacs à main, des habits. C'est vraiment vous qui voyez, puisque tout dépend de la façon dont vous allez l'assembler. C'est là où vous allez leur donner la forme de ce que vous voulez. Donc, sous ma vidéo, je vais vous mettre le lien direct pour réaliser la fleur. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre le tuto que je vais vous montrer. Alors, avant de commencer, dans la description de ma vidéo, je vais mettre le lien qui va vous envoyer directement vers le tuto où je vous montre comment réaliser la fleur africaine. Donc, sous ma vidéo, dans la description de la vidéo, il y aura un lien, vous cliquez dessus, vous allez reproduire la fleur. Ensuite, vous revenez pour qu'on puisse justement faire le petit carré autour. Donc moi, pour le carré, j'ai décidé de faire avec le blanc. Vous allez tout simplement, donc, après avoir fait votre fleur, on a ici notre demi-bride. On va simplement rentrer dans la maille qui correspond à la demi-bride. On va ramener notre fil. À nouveau, je vais faire un nœud. On retourne dans le même espace. On ramène et on va faire 4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride. Donc 1, 2, 3, 4. 2 jetés sur votre crochet. On revient dans la même maille, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants, un jeté les deux derniers. Donc on a 2 doubles brides à cet endroit-là. Ensuite, un jeté dans la maille suivante, on va faire une bride. Un jeté dans la maille suivante, on fait également une bride. Par la même occasion ici, je coince mon fil quand je fais mes brides. Un jeté dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc vous rentrez, vous ramenez un jeté à travers le tout. Ensuite, on va travailler 4 mailles serrées. Donc, dans la maille suivante, on fait la première maille serrée, 1. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Et dans la suivante, on fait la 4. Maintenant, après ces 4 mailles serrées, on va faire dans l'autre sens. Donc, on avait fait une demi-bride et 2 brides. Donc là, on va faire... La maille suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride également. On fait les mêmes points, mais dans l'autre sens. Donc, on avait fait 2 brides. Ensuite, on va faire 2 jetés sur le crochet. Maille suivante, on va faire une double bride. 2 jetés sur le crochet, même maille, une deuxième double bride. 2 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. Maille suivante, on refait 2 doubles brides à l'intérieur. On est en train de préparer les angles pour le petit carré. Là, ce qu'on va faire à nouveau, c'est qu'on va répéter ce qu'on a déjà fait ici. Après les 2 doubles brides, ça veut dire qu'après les 2 doubles brides, on avait fait 2 brides, donc un jeté, maille suivante, on fait une bride, un jeté, maille suivante, une bride également. Ensuite, on avait fait une demi-bride, donc un jeté, on rentre dans notre maille, on ramène, un jeté à travers le tout. Ensuite, on avait fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, là, on va refaire ce qu'on vient de faire ici. Ça veut dire une demi-bride, une bride dans la première, une bride dans la suivante. À nouveau, là, on va faire 2 jetés sur notre crochet. Maille suivante, on va faire une première double bride. 2 jetés sur le crochet, même espace.
Donc deux jetés sur le crochet, même espace. Une autre double bride. Deux mailles de séparation, deux jetés sur le crochet, maille suivante. De nouveau, deux doubles brides dans la même maille. Comme ceci, on est de nouveau en train de préparer nos angles. Donc ensuite, on va simplement à nouveau répéter tout ce qu'on a déjà fait. On fait un jeté dans notre maille suivante. On va faire une bride. Dans la maille suivante, une nouvelle bride. Dans la suivante, une demi-bride. Là, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va reprendre la même chose que dans ce sens. Donc, une demi-bride. Une bride dans la suivante. Une bride dans la suivante. Donc là, on va faire deux jetés sur le crochet. Maille suivante, une double bride. Deux jetés, même espace. Une deuxième double bride. Deux mailles de séparation. Deux jetés sur votre crochet. Maille suivante, une première double bride. Même espace, une deuxième double bride. Donc là, on va simplement continuer tout ce qu'on a déjà fait, parce qu'on a déjà 1, 2, 3, 3 angles sur 4. Dans la suivante, on va donc reprendre une bride. Dans la suivante, également une bride. Une demi-bride dans la suivante. On est parti sur 4 mailles serrées. 1, 2. 4. Un jeté, une demi-bride, une bride, une bride, deux jetés, et dans votre dernière maille, on va faire deux doubles brides à l'intérieur. Pour terminer correctement, on va faire les deux mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3 dans la quatrième maille de la première double bride. On va fermer avec une maille coulée. Là, on va faire une maille en l'air de plus. Couper une bonne longueur pour pouvoir y cacher. Donc, après avoir caché tous vos fils, vous obtenez un super joli square, un très beau carré. Il ne vous reste plus qu'à en faire plein, à les assembler entre eux. Vous pouvez faire donc des couvertures, des écharpes, des sacs à main, plein de belles choses. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.